Départ de l'épreuve principale, la Fournaise Barbet Cup, 1600 mètres à parcourir. Everest, comme on s'y attendait un peu, et qui se retrouve devant avec Kremlin Captain dans son sillage. Everest, Kremlin Captain. Ensuite, eh bien, One Cool Dude que Raj Rawan va placer à l'extérieur de Booklet Top. Des Shake en dehors de Man to Man et fermant le cortège Rampant Ice. Les chevaux entament maintenant la montée avec Kremlin Captain qui va diriger les opérations. Une longueur d'avance environ sur Everest. One Cool Dude qui prend ses précautions et suit de près, sur en troisième position à l'extérieur de Booklet Top qui est quatrième sur les barres donc. Ensuite on retrouve Desert Shake à l'arrière, elle s'amène Man to Man et Rampant Ice qui est en queue du peloton. En pleine descente, environ 800 mètres à parcourir maintenant dans le Barbet. Kremlin Captain dirige les opérations devant le gris Everest. Ensuite, One Cool Dude, Booklet Top, Nuresh Jaglal va essayer de se dégager de là, mais pas possible pour l'instant. Desert Shake, par contre, va se rapprocher. Man to Man, Rampant Ice va commencer également son effort à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir pour Kremlin Captain face à Everest avec One Cool Dude, qui est également là. Booklet Top sur les barres à l'arrière. Desert Shake, lancé tout comme Rampant Ice. Le choix bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Kremlin Captain, qui a toujours l'avantage. Lancé maintenant par Yashile Bandi. Everest, One Cool Dude va terminer fort à l'extérieur, mais Kremlin Captain a toujours le meilleur. Kremlin Captain face à One Cool Dude. Kremlin Captain va se détacher et remporte la Barbet Cup. Kremlin Captain au sommet. Il regarde même derrière lui. On ne s'attendait pas à ce qu'il écrase l'opposition comme ça.